Trois mois de prison avec sursis, c'est la peine requise par le parquet de Paris contre Ervin Gapet. Le volleyeur français d'origine camerounaise comparaissait lundi en correctionnel. La star du volleyball français est accusée d'avoir frappé et blessé un contrôleur de la SNCF, des faits qui remontent à juillet 2015. La procureure a affirmé que le réceptionneur attaquant des Bleus était coupable d'entrave à la circulation d'un TGV et violence contre un contrôleur. En 2014, le champion du monde et d'Europe avait déjà été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour une rixe dans une boîte de nuit à Montpellier.